Bonjour tout le monde, me revoici. Ça fait un bon bout de temps là, que j'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui vont écouter la vidéo et qui ne me connaissent pas, moi c'est Isabelle Labrec et je suis quasi débutante en maquillage, mais j'ai quand même. Je pense que je suis quand même bonne. Donc aujourd'hui, les palettes que. Ben, les marques que je vais utiliser, c'est Lise Wathier, Marcelle. Et j'ai un truc de Mac. Dans le fond, c'est québécois aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir un beau cadeau de Noël. La palette de Lise Wathier de Noël. Donc, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Là, je vais avoir beaucoup, comme vous pouvez voir, là, je vais avoir beaucoup de trucs à cacher. Ok, on va commencer par les yeux. Je vais mettre ma base pour les yeux de MAC. C'est Prep and Prime. Celle-ci. Je vais juste mettre celle-là parce que d'habitude, je mets le Paint Pot. Puis je trouve que c'est trop sec pour mes yeux, là. Ça fait plein de plis, puis bon, j'aime pas ça. Donc, ma base pour les yeux, elle est faite. On va se prendre un pinceau fluffy. Et je vais utiliser. Ça va être plutôt nude, là, comme maquillage. Je vais utiliser le petit rose ici, là. Un petit rose très, très pâle. Je vais faire toute la paupière avec. Ah oui, j'ai été me faire vacciner cet avant-midi contre la COVID-19. Ça a très bien été. Ça a fait mal sur le coup, mais là, présentement, je ressens rien du tout, là. Ensuite, c'est vraiment difficile, hein? Pas besoin d'avoir plusieurs couleurs pour être toutes mélangées. Bon, je vais utiliser un pinceau un peu plus dense, un peu plus court, et je vais aller prendre le petit beige qu'il y a ici, comme ça. Je vais faire le coin externe. On verra là, si je trouve que c'est trop pâle, on mettra d'autres couleurs. Ma date, là, je suis dans la fenêtre. Il y a du soleil. Assez pigmenté comme palette, là. Je sais pas si vous voyez bien, malgré tout le soleil qu'il y a. On va aller en remettre un petit peu, juste pour foncer. Moi, étant donné que j'ai de la paupière tombante, il faut que je le mette vraiment plus haut dans mon creux de paupière, là. Je vais aller faire l'œil droit.
Ok. Je vais changer de pinceau. Je vais aller prendre un pinceau un peu plus vraiment précis. Celui-là. Un comme ça, là, qui est un peu plat, mais quand même fluffy. Je vais vraiment juste aller déposer au coin externe. La couleur est comme brune. Celle-là ici est un petit peu irisée. Je vais prendre mon miroir. Je ne sais pas si c'est mon pinceau qui a de la misère à attraper la matière, pourtant. Je crois que le problème, c'est pas la matière et c'est bien le pinceau. On va se trouver un autre semblable. Qui va mieux réagir. J'ai des tonnes de pinceaux, des tonnes et des tonnes. C'est juste de trouver le bon. Un pinceau style boule un peu comme ça, je crois que ça va faire la job. Je vais estomper un petit peu vers l'extérieur. Faire la même chose de l'autre côté. C'est ce que je dois faire. Ça ici, on dirait que je me suis fait une tache, hein, mais ça va partir avec le fond de teint. Ah, je suis au doigt, ça part. Vais prendre mon pinceau là, que j'ai pris pour mon brun beige, là.
Et voilà. Maintenant, pour le centre, je vais juste tester une petite couleur. Ça fait trop pas. On va prendre le petit doré là qu'il y a juste ici là. J'essaye de pas trop mettre dans le soleil. Et voilà. Avec un pinceau plat que j'ai ici. Je sais pas. Je vais l'essayer avec mon petit doigt, voir. Ouais. Un certain fort qui s'applique mieux au doigt. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté avec mon doigt. Okay. Maintenant, je vais reprendre le petit rose du début. Et je vais aller l'appliquer ici. Juste pour éclaircir un petit peu. Je fais pas tout de suite mon rotule inférieur, étant donné que j'ai pas encore fait mon teint. Donc, maintenant, je mets la palette Les Oies de côté. Et je vais utiliser elle se mélange pas trop. Ah oui, elle se mélange. Je vais utiliser la base gel crème frais lumineux de Lise Wattier. Ça va illuminer. Je suis pas sûre que ça va être bon pour ma peau mixte par contre là. On va l'essayer. Là, j'ai pas de fond de teint. De fond de teint Lise Wattier ou Marcel. Ouais. Je vais prendre le Dior. Je pense que c'est la seule chose qu'il va avoir de pas québécois. Là. Ah, ça, puis mon spray fixateur. Le Dior Backstage dans la teinte 1.5N. Ah, oh, c'est au petit soleil. Je vais le mettre sur le dessus de ma main. Je le réchauffe un petit peu. Je vais le déposer. OK.
quelques points ici et là. On verra. On verra ce que ça va donner. Et j'utilise mon pinceau de It Cosmetics. C'est une édition limitée de Saint-Valentin l'année dernière. Je l'aime beaucoup. Je vais juste par tapotement, là. À part le coup. Bon. Regardons ça de plus près. Si je suis capable d'ouvrir mon petit miroir. On va en mettre une petite couche. Ceci étant dit, le fond de teint Lise Wattier que j'ai testé l'année dernière, très bon, ça n'en prend pas beaucoup et ça camoufle quand même beaucoup. J'ai tout le temps une zone ici là, que le fond de teint, on dirait qu'il ne veut pas tenir. Je vais juste essuyer mon fond de teint que j'ai sur la main avant que je fasse des dégâts. Je vais aller faire tout de suite mon rotil. Ah non, 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 c'est vrai. Je vais utiliser mon concealer de chez Marcel. La teinte pâle à moyen. C'est Marcel Flawless Peau Parfaite. Il faut bien bien mélanger parce qu'il y a comme deux teintes dedans. Je vais appliquer ça. Et partout sur mon visage. Parce que là, j'ai vraiment une peau d'adolescente depuis un certain temps, là. C'est pas évident. Je reprends mon miroir et pinceau de It Cosmetics. Je vais en tapotant, bien entendu. J'ai pas été avec le dos de la cuillère.
Ah, ce soleil-là, je vais prendre ce pinceau-là. On est allé se promener dans le sentier pas loin d'ici, là, la rivière Saint-Charles. Et ben, hier et aujourd'hui, hier, il y avait tellement de monde, c'était épouvantable, épouvantable. Aujourd'hui, on y était un petit peu plus tôt, il y avait moins de monde. Mais hier, j'avais jamais vu autant de monde se promener dans ce parc-là. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça pour aller faire mon rotule. Je vais prendre la couleur brun prune. L'autre côté. Me rends quand même là aux trois quarts de l'œil. Okay. Oui, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Maintenant, crayon, mascara, sourcil. Ensuite, j'aime bien finir par, voyons, fard à joues, etc., etc. J'ai comme mascara, j'ai ça. Mes crayons, j'ai des crayons. Les ouatiers. Ah, je ne les ai pas sortis de ma trousse. J'en ai un juste ici. J'en ai même deux. J'en ai quelques-uns de les ouatiers, mais je vais sûrement utiliser celui-là, fauve. Ouais, parce que l'autre est comme. C'est rubis. Je vais vous montrer là. Ça, c'est fauve. Ouais, on verra peut-être pas grand-chose avec le soleil. Ça, c'est fauve. C'est comme un brun prune. Et rubis, qui est comme plus un rouge orangé, un peu métallisé. Fait que je pense que le fauve, va aller mieux avec, mon maquillage. Que je vais l'aiguiser hein, parce que on n'en viendra jamais à bout. Ça vous va de m'entendre fouiller comme ça dans mes choses? Ça, c'est juste une partie de que j'ai apporté au chalet pendant les vacances de Noël. Je suis supposée d'avoir une église. Bon. À un moment donné, je vous montrerai
ma collection de make-up. OK. Là, je sens que ça va y aller. Donnez-moi 2 secondes. Bon, c'est fait. Maintenant, recourbe cils, mascara. Mon mascara. Je l'ai sorti tantôt, bien sûr. Ah, il est ici, Seigneur. Il était juste en face. C'est le mascara Marcel Noir, bien entendu. Ultimate Lash. Mascara épaississant et allongeant. La brosse est faite comme ça ici. Regardez de plus proche avant de faire trop de dégâts. Ouais, je pense que ce mascara-là, faut vraiment pas se gêner pour enrouler les cils dedans parce que... Je pense qu'il s'en vient sec le mien en plus là. Mais il fait vraiment effet cils à cils là. Je vais en remettre un petit peu. Pop, pop, pop. Et le mascara aussi, ça se travaille. Si vous voulez en avoir, si vous voulez que ça paraisse encore plus,
pour ajouter une couche là, un coup que la première couche de mascara est sèche. Et comme d'hab, je me suis fait une beurre. Je vais trouver celle-là. Donc on se fait une petite beurre de mascara, on attend que ça sèche et ensuite on prend un goupillon. Et voilà, problème résolu. Les sourcils, j'ai pas de produit Lisoitier, Marcel ou MAC. Mais je vais utiliser là, celui-là que j'ai reçu. C'était-tu dans ma Charms Box là, que je reçois tous les mois? En tout cas, peu importe. On va peigner ces petits sourcils-là. Puis là, ben, comme tout est fermé, ben, je peux pas aller me faire faire les sourcils. Fait que la pointe est comme un peu en forme de goutte d'eau, si vous voulez. Et les sourcils, ça se travaille aussi. Idéalement, ici, il faut que ça soit plus foncé que le reste. Non, je sais, mes sourcils sont pas pareils. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Je vais repasser un petit coup de goupillon. Ça va enlever le surplus. Ça a l'air naturel quand même un peu. C'est tout de même pas si mal. Maintenant, on peut passer au bronzer, illuminateur et... Ah! C'est vrai, j'ai oublié de poudrer mon teint tout à l'heure. Je vais le poudrer avec un gros pinceau fluffy. J'ai pris le Marcel encore Flawless Peau Parfaite. Poudre pressée Fusion Parfaite. Teinte ivoire. Ils vendent ça comme un fond de teint en poudre. Moi, je vais poudrer surtout ma zone T, là. Comme ça. Parce que c'est marqué aussi. Oh, j'ai un petit poil là. C'est marqué fini soyeux, effet naturel, effet matifiant. Enrichi d'acide hyaluronique hydratant. Enrichi de vitamine E. Sans parfum, sans parapène. Non. Comme édogène. Donc, moi, je l'ai pris comme poudre libre, là, dans le fond, parce que c'est marqué que c'est matifiant. Maintenant, on va commencer par le bronzer. Si j'arrive à l'ouvrir. Toujours de Marcel. Poudre bronzante fini mat. La teinte 03, teint moyen. Et je vais prendre ce pinceau-ci. Oh! Il est très pigmenté. J'ai juste me regarder dans mon miroir. Je peux me permettre d'en mettre.
Je vais en mettre un petit peu ici. Ok, pour celui-ci, j'ai l'illuminateur qui est ici, liquide. C'est pas celui-là, il est ici. Denise Wattier, CCC, neige. Ouais. Il se présente comme ceci. Je vais le mettre sur ma main, puis il est liquide, hein, fait que. Pas non plus briller jusque sur la planète Mars. Je vais en remettre sur ma main. Comme ça. On met juste un tout petit peu. Ouais. L'arc de Cupidon. Et il y a une place que j'ai pas fait. Ici au coin interne. Je vais reprendre le même. Je vais prendre juste le bout de mon petit doigt. Dépose le tout. Ensuite, j'ai ce fort ajout-là de Lise Wattier. Non, c'est pas Mac, c'est Lise Wattier. Je me suis trompée tout à l'heure. Sinon, j'ai les deux blushs cream. Il y en a un qui c'est nude. Ah, ben c'est deux nude blush. Fait que j'ai soit Lise Wattier ou celui-ci. J'ai envie d'essayer celui-là. Il est en crème, donc je le prélève avec mon doigt. Vous allez voir, ça fait des traces de doigt un peu. Là. Et on y va. Je vais en enlever un petit peu sur ma main. Et on y va en tapotant. C'est vraiment plate, là, le soleil qui est là. Ben, pas que c'est plate d'avoir du soleil, mais là, c'est parce que je peux pas vous montrer mon make-up comme il faut. Et voilà, ça fait déjà 41 minutes que je filme, hein? Fait que il va falloir que je finisse. Il me reste juste mon rouge à lèvres. C'est très, très, c'est très discret comme fort à joue et tout, là. C'est vraiment discret. Bon, justement, il me reste juste mon rouge à lèvres. Et j'ai celui de Lise Wattier qui est, mon Dieu, que c'est écrit petit. Bordeaux. Il est magnifique. Encore. J'ai encore fermé mon petit miroir. On y va.
quand on se maquille, les couleurs plutôt nude au niveau des yeux, ben ça prend une couleur plus punchée sur les lèvres. Ouais, je sais, j'ai une petite repousse là. Mais là, je suis pas super satisfaite de mon fard à joues, fait que je vais en remettre, si vous me permettez. Ah, l'autre côté. Un peu de spray fixateur. Il est juste là. De la marque Morph. C'est un spray en continu. Sent presque rien. Ce que ça sent bon. Donc, je vais vous laisser regarder. Plus ça change, plus c'est pareil. Mon make-up de plus près. Sur ce, je vous laisse. On se revoit un petit peu plus tard. Je peux pas vous dire quand parce que ça bouge beaucoup ici, hein? Fait que c'est ça. On se reprend une autre fois. Bye bye!